avec une vidéo un peu particulière. Ça va être un mix de courrier de la semaine et haul. Je suis allée à Auchan et Action ce matin. Et donc je vous fais un micmac entre ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé. Et voilà. Donc je vais commencer avec une surprise que j'ai eue ce matin normalement à la maison. J'ai reçu ça. Donc c'est de chez Monoprix. Donc vous avez, c'est une pochette qui est trop belle avec 4 vernis, une brosse, il y a un petit nœud, un bracelet et un miroir. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais la laisser comme ça. Il y a même un serre-tête aussi, ouais, il y a un serre-tête à l'intérieur. Je vais le laisser comme ça et je vais l'offrir à ma puce pour son Noël. Elle m'a juste adoré. Voilà, donc petite surprise. Donc ça, ça vient de chez Monoprix. Si je vous trouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Et dans la catégorie, maintenant il y a une nouvelle catégorie sur le blog qui s'appelle Shopping et je vous mettrai les liens sur cette catégorie aussi. Les pochettes, une pochette comme ça, ça c'est pour moi, pareil de chez Monoprix. Ah, en fait c'est une trousse de toilette, c'est pas une pochette, mais elle est juste parfaite. Oh, j'avais pas vu à l'intérieur, il y a une petite brosse, elle est superbe, vous avez vu. Voilà, donc une trousse de toilette. Elle est super jolie, mais franchement j'adore. J'adore. J'ai craqué chez Disney la semaine dernière. Il y avait une promo, il y avait un code pendant 24 heures, il faisait 24%. Et donc j'ai craqué pour les Noëls de mes bébés. Donc j'ai pris une petite Marie comme ça, en mode Noël. Alors ça j'hésite à leur donner avant, mais bon, on va voir. Donc elle est toute petite, elle était quand même à 11 euros. Donc heureusement qu'il y avait les 25%, sinon jamais je l'aurais acheté vu le prix. Et pour Christian, j'ai pris une petite comme ça, pareil, qui était à 11 euros également. J'avais 25% dessus, donc ça valait le coup. Voilà. Donc ça, je sais pas si je leur donne maintenant ou plus tard. Et surtout, j'ai pris ça pour Cadel, pour son Noël. Voilà. Donc c'est réponse dans les princesses animateurs. Elle a déjà la Reine des Neiges, donc là, elle va avoir réponse. Réponse, c'est sa princesse préférée. Voilà ce qu'elle nous dit en ce moment. Donc elle était en promo et en plus avec les 24%. Donc je crois que je l'ai payé 20 euros. Donc ça valait vraiment trop le coup. J'ai pas pu y résister. J'ai pris pour Christian pour Noël. Alors ça vient de chez Festi Baby Création. Vous aurez les liens pareil en barre d'infos et dans la catégorie shopping sur le blog. Voilà, donc il y a son prénom. Alors Christian décrit. Vous avez petit reine là. Je vais faire la mise au point. Je m'avance pour faire la mise au point. Voilà, et une attache tétine, une tétine personnalisée. Donc tout ça, bah bien sûr les utiliser là sur la période de Noël, et je vais bien sûr les garder précieusement pour sa boîte à souvenirs. Parce que mine de rien, mon bébé c'est son premier Noël, il va avoir un an mais c'est son premier Noël. Continuons dans Noël, j'ai craqué au champ sur des tenues. Donc ça, j'espère que ça va aller parce que j'ai pris du 3 ans pour Catel. Donc j'espère que ce soit un peu court, mais c'est pas grave. Les versions plus grandes, les plus grandes me plaisaient moins. Donc on verra, c'est un peu court, c'est pas grave. Donc il y a la robe, vous avez un legging, voilà, et le bonnet. Le bonnet qui a des petites étoiles. Voilà, ça je l'ai payé 10 euros. Pareil, hein, si je trouve le lien sur leur Auchan, je vous le mettrai. Et pour Christian, j'ai pris tenue du Père Noël en grenouillère. Donc j'ai pris du 80 cm, c'est ce qui, donc 12 mois. J'ai payé 8 euros et il y a le petit bonnet avec. Voilà, il va être trop beau mes bébés. Continuons Auchan. J'ai aussi pris ça, donc c'est des coupes chansons de Noël. Il y en a 21. Pour 3 euros, franchement, je me suis dit, vas-y Emma, ça fera toujours des trucs à mettre à Noël. Ou à Catel, ou dans l'ambiance. Voilà, quand on sera à ce moment-là. Hop, dernier truc pour Noël. J'ai craqué, oh, 1000 paillettes chez Créafimo Gourmandise. Voilà, hop. Pareil, je vous mettrai les liens. Elle me fait un petit joyeux Noël et merci Emma. Alors, elle a fait des... c'est super bien présenté, hein, j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez sa petite boutique, elle fait des créations en pâte chimo. De toute façon, c'est très très sympa. C'est cool ça, je pense à minuit. Mais super nuit du moment. C'est gentil, le petit thé, j'adore le thé. Et un arlequin, c'est un de mes bonbons préférés. Et voilà, surtout, voilà, j'ai commandé chez elle des... Je vais y arriver. Voilà, des... c'est des suspensions, des petites déco...
Donc avec marqué. Donc là, il y a 4 L. Là, ça fait la mise au point. Avec marqué Noël 2016 derrière. Et pour Christian, bah, j'ai pris Christian et j'ai écrit First Christmas. Je crois mon premier Noël dessus. Voilà. Alors, attendez. Mettre dans le bon sens. Alors là, j'ai mis... Ah, après, j'ai fait dans l'autre sens. J'ai mis mon premier Noël. Voilà. Et j'ai écrit Christian derrière. Voilà. Sympa, non? J'adore. Ils sont trop belles. Super idée. Voilà. Hop, ça, je les garde bien précieusement pour mes bébés. Ça, ça va aller là. Ça va aller là. Hop, ça, je garde. Après, Action. Donc, je suis allée à Action pour prendre de quoi faire les activités manuelles pour mon calendrier de l'Avent 2016. Que vous allez voir, c'est une activité par jour sur le blog au mois de décembre. Donc, ça sera mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pris 2 toiles pour une des activités. J'ai pris ces 6 personnages comme ça pour faire des boules à neige. Vous verrez. Et c'est tout au niveau des activités. Sur le reste, j'avais. Alors, voilà, j'ai pris ça. Je sais pas. Je sais que c'est pas une super. Non, c'est du Schwarzkopf, donc ça va. On verra après sur les cheveux. D'habitude, je prends la Olia, mais bon. C'est l'occasion. Je m'étais dit ce matin, il faudrait que je refasse ma couleur. Hein, il serait largement temps. Donc voilà, donc j'ai pris celle-là. Elle était à 3€ ou 4€. Donc on verra ce qu'elle fait. Moi, je ne pousse pas les cheveux. Alors, ce week-end, alors cette semaine. La semaine prochaine, donc le 29-30, il y a Lizzie Fluente auquel je participe. Je ne sais pas si cette vidéo sera là avant ou si vous la verrez après. Ça dépend si j'ai mon bureau ce week-end et que je peux faire mes montages. Parce que j'ai pas de bureau encore. Donc j'ai pris des sacs comme ça pour mes lectrices. Pour faire des petits tote bags. Vous les redécouvrez de façon complètement sur le blog. Je vais vous mettre les détails, tout ce qu'il y aura dedans. Donc voilà, j'en ai pris 3 jeux. Il y en a 30. Là-bas, je voulais faire des tote bags personnalisés, mais ça revenait trop cher et j'ai peu de réponses de potentiels partenaires. Donc voilà. Je me suis pris un t-shirt blanc pour me le personnaliser. Et cette année, on fait le nouvel an à la maison avec des amis. Et j'avais vu ça chez Jessou, donc j'en ai profité. Quand j'y suis allée, je les ai prises également. Donc, un photobooth qui, je crois, me coûtait... 80 centimes, un truc comme ça, donc voilà, j'ai pas hésité. J'ai pris des serpentins et j'ai pris un Happy New Year en guirlande, voilà, pas comme ça. Voilà, pareil, ça coûtait moins de 1€ tout ça. Donc ça, c'était chez Action. On en passe au colis. Donc pareil, on revient sur le thème de mes calendriers de l'avant. Donc j'ai pris... Alors c'est sur le site 10 doigts. Je vais vous montrer. C'est ce site-là. Voilà, 10doigts.fr. Je commande souvent sur ce site. Donc j'ai pris des gommettes, étoiles en argent. Alors il n'y a pas que des étoiles. Il y a des sapins, il y a des étoiles filantes, des boules de Noël, des grands ou des petits sapins. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc en argent et en doré. C'est pareil pour une des activités. J'ai pris, hop, une petite boule comme ça à customiser. Pareil, pour faire une activité, c'est pour faire les boules de Noël, la première boule de Noël de Christian. Voilà, j'ai pris des paillettes. Donc il y a, j'en ai pris 2 jeux. Je vous mettrai hein, tous les liens dans la catégorie shopping, ne vous inquiétez pas. Donc, hop, donc c'est des paillettes, vous avez rouge, blanc, rouge, doré, vert et jaune. Donc exprès les couleurs de Noël. Des pompons blancs pour une activité également. J'ai pris hop, un petit puzzle comme ça à colorier. Ça, quand on va chez passer Noël en Bretagne chez ma petite soeur, voilà, je voulais des activités simples à transporter. Je pourrais également vous montrer. Après, j'ai pris du papier, tissu papier. Voilà, j'ai pris donc de l'argent, du doré. Du blanc, du doré, de la, je la refais, doré, argent, vert et rouge. Donc pareil pour une activité. Haha, vous verrez tout ça. Et j'ai pris des bâtons de colle pour mon pistolet à colle. J'en avais plus beaucoup, donc j'ai refait plein.
Et dernier petit truc qui n'a rien à voir avec l'activité, c'est que j'ai pris des feuilles ardoises qui sont adhésives pour coller sur mon frigo avec des crayons qui sont normalement qui ne font pas de poussière. Voilà, tout ça pour mettre en fait sur mon frigo pour écrire nos rendez-vous, pour faire un petit pense-bête. Voilà. Hop, je remets les feuilles dedans pour garder un peu d'ordre. Et le dernier carton. J'ai fait une commande sur le site Greenwiz de couches de tout mon tout ce qu'il me faut en niveau change pour Christian. J'ai en tête de vous faire un article qui s'appellerait un article ou une vidéo qui s'appellerait autour de ma table allongée. Donc c'est prévu, c'est en tête, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Promis, je vais le faire. Donc j'ai repris des couches Tidou. Vous avez un article sur mon blog qui vous parle de tous ces produits qui sont top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pris la crème réparatrice, donc j'ai fait le plein. En fait, je vais en laisser une chez ma maman quand les enfants vont là-bas. Comme ça, elle en a une d'avance. Voilà. Des crèmes Tidou pour le change, elles sont super bonnes. J'ai fait le plein de lingettes. Pareil, il y a un paquet qui ira chez ma maman et les autres, c'est pour moi. C'est les lingettes de jus. Donc. Calendula, elles sont une compo qui est vraiment au top. C'est une marque qui est bio, hein, éco-certifié, bio, voilà. Fabriquée en France. Non, pas éco-certifié. C'est bio et fabriquée en France. Voilà, sans parfum, 100% compostable. Elles sont compostables. Voilà, et j'ai pris du liniment. Voilà, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein et ça c'est cool. Hop, je remets dedans. Voilà, j'arrête là. Je pense que cette vidéo va continuer parce que j'ai 3 colis qui sont arrivés pendant que j'étais en vadrouille pour aller justement chercher les autres colis et faire Action et Auchan. Donc je vous continuerai la vidéo. Je vais y aller tout à l'heure normalement pour vous montrer tout ça. Je sais pas du tout les colis, ce qu'il y a, je me rappelle pas, si c'est des commandes que j'ai faites, ça serait grave quand même, ou alors si c'est des trucs que je vais recevoir, donc je vous montrerai tout ça. Allez, à tout à l'heure.